Eh bien salut à tous, c'est Schizo. Enfin, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode spécial. On a avancé de 2 jours, du coup entre temps ça fait une semaine de punition pour Oro. Et du coup on est parti pour la récolte d'orge, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Donc bien sûr, avec Franky et Roro. Et Roro a une petite surprise pour nous, parce qu'il a fait une tonne de missions, hein, dû à sa punition. Et du coup, mon petit Roro, dis-moi tout. Bah, nous avons un solde de 455 879 euros. Mais c'est génial ça. Du coup, tu t'es tapé les missions de pulvée et les missions de moissonnage. Exactement, tu vois, comme quoi je culpabilisais un peu d'avoir mis cette récolte par terre. Ah bah vieux, c'est surtout que tu voulais absolument rembourser le prêt. Oui, aussi, parce que depuis le temps qu'il m'embête, du reste je vais le rembourser directement là maintenant. Voilà, bah de toute façon je suis pas en admin, donc je vois pas l'argent qu'il y a, mais ça fait énormément plaisir. Donc Roro a mis un bon coup de boost à la carrière du coup. Voilà. Et du coup, alors mon Roro, vu que c'est toi qui as eu toute la peine à faire les champs de patates, les blés, l'orge, le colza, tout ça, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec les 185 879 qui nous restent? C'est ça. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'acheter le petit MF qu'on avait testé lors du dernier épisode pourrait être une bonne idée. Ouais. Histoire qu'on puisse avoir un tracteur qui nous serve pour la... Pour tout ce qui est épandage et tout ça. Enfin, exactement. Tracteur secondaire, on va dire. Voilà, exactement. Qu'on ait les deux gros MF. Tu lui mets une chargeuse à l'avant, non? Non, je lui mettrai pas de chargeuse à l'avant, par contre. D'accord, ok. Tu lui en mettrais une, toi? Moi, tu te dis, plus il y a de chargeuse, moins tu te fais chier à galérer, à aller rechercher, je veux dire, pour le peu d'options en plus, pour le peu que ça coûte. Je me dis que c'est toujours plus rentable d'aller chercher, au lieu d'aller chercher un autre tracteur, aller chercher le MF. Après, je sais qu'on a le petit et le gros qui sont équipés de fourches avant. Mais comme tu veux, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as fait les thunes, c'est toi qui choisis. Oh. Donc, ça si vaut tu coup de se faire punir. C'est ça, ça vaut le coup de se faire punir. Bah, avance le temps là qu'on nique la récolte. Non, je ne refais pas alors ça, non, je ne refais pas du tout. Et juste par curiosité, 15h, 18h ouais, à peu près. Plutôt dans les 18. J'ai pas chronométré parce que c'est le truc où tu tapes la tête contre les murs, mais. Ouais, c'est ce qui me semblait bien. Quand tu m'as annoncé le prix, c'est que t'as fait tous les champs, t'as fait tout ce qu'il y avait de possible à faire. J'ai fait tout le tour, mais j'en pouvais plus à la fin. Ouais, je vais y croire. Je vais vraiment y croire. Standard, lourd, chargeuse avant, oui. Hop. Tu les laisses en pneu normal. Donc du coup, t'as acheté le 3000S. Le 3000 le série. 3, le série 3000, enfin le 3090... boosté à 115 chevaux. Un petit nouveau. Voilà. Après, j'aimerais bien acheter une benne. Une nouvelle benne? Ouais. Acheter un peu plus gros? Soit un peu plus gros, soit la même, mais qu'on puisse tourner comme là, par exemple, quand on est à 3. Il y en a toujours un qui se tourne les pouces. Hein. La farm tech. Ouais. Moi, j'aurais bien vu un peu plus gros. Hein. Je sais pas comment elle passe. Écoute, je me dis, la Farmtech, on la connaît, elle va bien. Tu sais que la Joskin, elle va bien aussi. La Gaillard vient me foutre sa merde. Oui, mais si on achète la Joskin, on n'aura pas assez pour acheter des champs. D'accord. J'aimerais quand même acheter un peu de champs. Ok, c'est toi le patron, vas-y. Ouais, je pensais bien quand je disais acheter des champs que t'allais. Ouais, t'as trouvé le point faible. Exactement. Sélectionner. Standard. Hop. Tu nous l'as mis en combien de chevaux le 115, donc il est au max, ok. Ouais. C'est parfait ça. Là. Et tu sais que d'ailleurs avec les deux farmtech tu pourras les mettre QAQ. Ah bah c'est génial en plus. C'est pas mal. Ça se dit qu'on est 3, et ben hop, on a assez de tracteurs. Et puis E8. Où es-tu, champ 8? Tu vas enfin nous acheter le champ 8. Je vais essayer du moins si je trouve. Il reste combien là? Là il reste 112. 112. Bah normalement tu peux. Je crois qu'il est à 82 000. J'avais essayé l'épisode d'avant. Je crois qu'il était à 82 000. Donc c'est faisable. Hop.
84 000 vendus. Donc on se retrouve avec le champ 8, donc il y aura peut-être du boulot à faire dans le champ 8 maintenant. Ouais, c'est à voir, c'est de la récolte. La récolte aussi, ça a l'air d'être prêt. Ah, la récolte est prête aussi là-haut. Et c'est quoi qu'il y a dedans? Je vais regarder. En espérant que c'est pas du maïs ou un truc comme ça, parce qu'on n'a pas la barre de coupe maïs avec la moissonne. C'est du blé. C'est du blé, bah, c'est nickel. C'est du blé et c'est prêt à être récolté. Eh bah c'est nickel, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Il roule bien en plus le ah ouais, ouais, le il série roule bien 3000 dedans, là. Alors, ça, y a pas de soucis. Hop là. Non, il va bien, 43 km/h, c'est cool. Alors, hop. Tu veux les deux remorques QAQ ou qu'est-ce que tu fais? Oh bah je pense qu'on va coller un peu Francky. Ah Francky, déplie ta buse, tu mets-toi de l'autre côté. Oh, on va pas le coller à deux remorques. Ou sinon toi tu prends les deux remorques. Ouais, tu veux que je prenne les deux remorques hein? Ouais, tu peux prendre les deux remorques, attends, bouge pas. Puis toi tu vas faire quoi en attendant? Bah je sais pas, il nous reste combien d'argent? Là 27 620. 27 000. Oh le PNJ, mais c'est des malades les PNJ quoi. Attends, on va se pousser de la circulation parce qu'on va se faire découper en 6 là. Les gars ils sont méchants. Il y a des gyrophares là-dessus, hein, j'ai même pas regardé. Oui, il y a un gyrophare. Comme ça, toi, tu t'occupes gentiment de... Je cours après Francky, puis toi, qu'est-ce que tu... Ah bah, tu vas t'occuper des animaux. Oh bah, je sais pas s'ils ont encore besoin, si. Oh bah, je pense, avec le temps qui a passé... Bah alors, je vais prendre mon petit MF, c'est cool. Je vais aller reposer celui-là. Je te laisse la deuxième remorque. Ça va être bien pour les épisodes de vente d'avoir deux remorques, ça ira plus vite. Ah oui. Hop. Comme ça, ça nous fait un tracteur, comme ça on peut être nombreux sur le serveur, c'est parfait. Ah. Ouais, comme quoi, il faut que je fasse des boulettes plus souvent. Hein. Ouais, ouais, ça serait plus marrant. Non. Bon, la prochaine boulette, promis, c'est moi qui me tape l'émission. C'est toi qui t'y colle. C'est ça. T'es coincé où? Ah oui, bah oui. Ah oui, avec la double remorque, faut que tu prennes un peu plus large, mon gros. Ah ouais? Ouais. Sans blague. T'es coincé dans le poteau ou dans la cabane? Je suis coincé dans la cabane. Viens, vas-y. Attends, bouge pas. Je vais le débloquer. Ah, on a éteint le moteur. Lui, il a une réparation requise. Ouais. Alors oui, là, ça va devenir complexe. Et voilà, c'est. Faut qu'on trouve un jingle Gaston Lagaffe. Ah, à chaque fois que je fais une gaffe, tu mets le petit jingle. Spécial Roro. Ouais, jingle gaffe. Spécial Roro. Voilà. Allez, roule. Merci. Et prends plus large. Oui, oh bah que celui qui ne se soit jamais coincé me jette la pierre. Tu m'étonnes. Bon, et puis c'est pas mal pour cet épisode, je trouve, non? On aura déjà fait un peu d'action, là. Ah bah là, je crois qu'il y a pas mal, quand même. Ouais. Les deux remorques sont pleines, là? Les deux remorques sont pleines, ouais. Et bah voilà. Donc nos deux premières remorques, bien sûr, vu qu'il y a plus de champs, bah il y aura plus d'épisodes pour les champs. Ça, c'est sûr. Et puis bah on va continuer gentiment. Mais on continuera au prochain épisode. Voilà. Francky, je vais te poser les deux remorques dans le champ, puis je vais aller réparer le tracteur. Pas de problème. Et ben voilà. Donc nous on va terminer gentiment bien sûr ce pendage à fumier et cette récolte. Je vous ferai peut-être une cinématique. Hein, je dis bien peut-être une petite cinématique, histoire de dire pour le prochain épisode d'un petit résumé de ce que j'aurais fait, ce qu'on aura fait là en offline entre guillemets quoi. Comme ça vous fera un petit récapitulatif pour le début d'épisode prochain.
Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 10 kills au challenge. Et un petit j'aime. Et un petit commentaire. Et bien sûr, on se dit à la prochaine Esquizofaf. Au revoir les gars. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Il m'a piqué ma phrase.